Bonsoir, mein kleiner Wistiti. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te rejoins dans une vidéo tant attendue. Ce matin, j'étais tranquillement en train de me préparer un petit déjeuner healthy quand soudain, la sonnette s'est mise à sonner. J'avoue que j'ai quand même un petit peu hésité à ouvrir la porte parce que je me suis dit, putain, mon bol healthy et mon petit smoothie du matin, je les attendais vraiment depuis très longtemps. Mais bon, j'y suis quand même allée. Ce matin, j'ai reçu un colis. Un colis que vous attendiez tous. Un colis de chez Dollskill. Ah, j'ai passé une commande il n'y a pas si longtemps sur le site de Dollskill et j'ai reçu tous les petits vêtements que j'avais commandés. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce que j'ai commandé, voir si ça me va, ce que ça donne, etc. etc. Je suis extrêmement excitée. A savoir que j'ai pris des vêtements un petit peu moins fluo qu'à l'habitude, mais quand même originaux parce que faut pas se leurrer, j'en serais jamais tout à fait normal. Donc j'ai fait ma petite commande et on va tester ça maintenant. Commençons par le commencement, le déballage. Oui, il y a des chaussures. Il y a des chaussures. Waouh, incroyable. Il est écrit Gilded Frontier Fighter Cowboy Boots. Ok. Oui. Incroyable. Waouh. Des chaussures de cow-boy à clous dorées parce que t'es quand même un peu une mongole. Une jupe incroyable avec des éclairs cuivrés. Une robe polka dot en taille S. Ah. Un pantalon pâte bœuf bordeaux. Waouh, c'est trop mignon ça. Waouh. Un top manche courte avec un col serrant. Que c'est joli. Et pour couronner le tout, une veste en poil véritable tout droit venue de Plastic Land. C'est parti pour essayer tout ça. Oui. Allez. Alors, je sais pas trop par où commencer, mais je pense que je vais commencer par le t-shirt et la jupe parce que je pense qu'ils vont vraiment bien aller ensemble. On va voir ça tout de suite, je suis hyper excitée parce que j'attends ce colis depuis très longtemps, alors ça me fait plaisir. À poil, Jean-Charles. C'est cool parce qu'en fait, la lumière est allumée, donc on voit tout à l'intérieur de la pièce, donc les gens vont me voir tout nu. Bonjour les gens, c'est moi. Vous allez me voir toute nue, au revoir. Ah, c'est joli. C'est joli, regardez-moi ça. Oh, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Non, il n'y a plus qu'à voir si ça va avec la jupe, hein, n'est-ce pas? Alors, ceci c'est de la marque Wild Honey en taille S et ceci c'est de la marque... Je crois que c'est juste Dollskill ici et c'est taille S aussi. Voilà. Oh, c'est trop joli. C'est trop joli. La la la. J'aime beaucoup. Oui, oui. Oh, j'adore. Elle fit vraiment très bien. Elle est super belle, cette jupe. Et en plus, elle est pile ma taille, comme vous pouvez le voir. Je peux mettre passer ma main comme ça. Mais en même temps, elle n'est pas trop grande et elle serre pas trop. Donc, je suis extrêmement contente. Taille S. Testée, approuvée. J'aime beaucoup. Le style est présent. Oui. Je vais maintenant essayer cette robe. Je sais pas trop pourquoi je l'ai prise, parce que je crois qu'elle va pas m'aller. Mais qui ne teste rien ne sait rien. Ah non, c'était un pari très risqué. Et résultat des courses, je n'aime pas. Voilà. Elle est trop coincée pour moi. Genre le col ici, j'aime pas du tout. Je sais que vous allez dire qu'elle me va très bien, que je suis super mignonne dedans, mais honnêtement, je veux pas être mignonne, d'accord? Je suis une femme sexy, une femme qui s'assume, et ça, ça me va pas du tout. Je veux qu'on voit mes boobs. Mais c'est très personnel. Donc, par contre, la matière est extrêmement douce et fluide, pas élastique, mais vraiment fluide. C'est très agréable au toucher. J'ai envie de me toucher tout le temps là. C'est vraiment très sympa. C'est dit. Maintenant, on va passer aux pantalons. Les pantalons. Alors. Alors, alors. Alors, alors. Waouh. Non, c'est pas cool ça. Alors. Ouh. Ce pantalon est magnifique. On peut le dire, il est vraiment super beau. Par contre, faut le porter avec des talons, comme souvent avec les pattes d'Ève. Mais juste un truc, c'est pas du tout une taille S, on est d'accord. Hein. Ça, c'est une taille XS. Et encore, je suis gentille parce que moi, je fais du SXS normalement. Et là, quand je le serre, j'ai l'impression que je vais mourir. Et j'ai eu vraiment, vraiment du mal à le mettre. Je suis en train de mourir. C'est abusé. Il est beaucoup trop serrant. Donc prenez une taille au-dessus de votre taille habituelle. J'aurais jamais imaginé devoir porter un M en pantalon. Je me sens mal. Ça taille pas du tout normal, non, c'est pas normal, ça du tout, du tout. Pas contente. Oh, des dieux, y'a rien qui va ici. Hein. Moi, je ne suis pas contente.
pas contente. Pas de problème avec mon cul, je vais voir de plus près. Sur cette petite déception, je vais maintenant essayer les chaussures et puis la veste. Ça me semble correct. Chante, enseignant, chante. Putain, ça claque de ouf. J'ai pris un 6,5 et elles sont pile à ma taille. C'est vraiment parfait, c'est très bien, elles sont super belles. Et elles sont très rigolotes. J'aime beaucoup, je fais du bruit tout le temps. Je fais du bruit partout. J'aime beaucoup ça, c'est très rigolo. Dernier article maintenant, il s'agit de la veste en poil bien sûr. Ah, ça fait des années et des années que je rêve d'une veste en fausse fourrure léopard et que je tombe jamais sur la bonne parce que je trouve les imprimés dégueulasses ou alors elle est vraiment beaucoup trop chère. Et là je me suis dit allez, on va tester une de chez Dollskill, on verra bien ce que ça donne. Et là j'ai mon petit cœur qui bat, mon ami, tu n'imagines même pas à quel point parce que j'espère qu'elle est jolie, voilà voilà. Qu'est-ce que ça donne cela? Je vais aller me regarder dans le miroir, j'arrive. Waouh! C'est magnifique! Wonderful! Eh bien, mon petit Stitty, je suis enchantée par cette veste. Enchantée! Quoi? Je l'adore vraiment. J'avais peur qu'elle soit courte parce que quand c'est court, ça fait vraiment plouc. J'avais peur qu'elle soit trop longue parce que je fais à peu près 1m20. Et là, pour le coup, elle m'arrive à mi-cuisse, donc c'est vraiment parfait. Ça me tasse pas, ça fait pas non plus débile et tout va super bien. Elle est très 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 chaude et au niveau de la coupe, elle est juste parfaite. Au niveau des mains, ça me tombe tout pile. Ici, au niveau des épaules également, ça s'arrête pile là où mes épaules commencent. Et je l'aime énormément. En plus, l'imprimé est vraiment sympa parce que c'est pas un imprimé fixe. Vous voyez qu'il est assez évolutif, comme ceci. Et du coup ça donne cette petite impression de vraie peau, même si on voit clairement que c'est de la fausse. Et ça me plaît parce que j'aime pas du tout quand ça a l'air d'être de la vraie peau, parce que c'est dégoûtant, parce que berk berk, les animaux morts, c'est pas sexy du tout. Donc là pour le coup je suis vraiment vraiment très contente de cette veste qui vient de chez Kuren Mood Clothing en taille XS. Y'a un nounours léopard qui est mort pour qu'on fasse ma veste. Voilà mon kleine Wistiti, cette vidéo Trial Hold of Skill est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu l'as sorti. Pouce bleu, dis-moi en commentaire quel vêtement t'as le plus aimé et quel vêtement t'as le moins aimé. Sur ce, attends une seconde parce que je crève de chaud. Ah, ça fait du bien. Sur ce, mon petit Wistiti, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour bien être prévenu de la sortie de mes vidéos. Abonne-toi également à mon Instagram si tu veux de mes nouvelles régulièrement. Sur ce, mon kleine Wistiti, je te fais de gros bisous et je te dis à n'importe quand, dans n'importe quoi, comme vidéo. Salut!